Bien le bonjour messieurs, dames, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Nous sommes chez Chris, les opticiens, dans les Yvelines, à Bazainville, pas très loin de Paris. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'est-ce que tu pourrais faire dans notre usine pour montrer qu'on produit nos verres ici en France, parce qu'ils produisent 1 300 000 verres chaque année, ce qui fait de eux le premier producteur distributeur de France. Et cette année, c'est l'anniversaire de leur usine qui s'est installée il y a 20 ans ici. Regardez comme elle est belle. Ils m'ont dit voilà, on te laisse l'usine pour toi une matinée, qu'est-ce que t'en fais? Du coup, moi j'ai essayé de réfléchir à une idée, parce que j'ai déjà fait un cache-cache dans un Conforama, au musée Grévin, j'ai déjà fait les Jeux Olympiques dans un décathlon. Je me suis dit, il faudrait essayer de faire quelque chose de plus stylé aujourd'hui. J'ai donc proposé à des amis de venir, j'ai loué des petits kartings, et aujourd'hui on va faire une partie de Mario Kart ballon. Laissez-moi vous présenter l'équipe, pour ceux qui ne connaissent pas. On a donc Benjamin Verica qui incarnera normalement Bowser, mais je crois qu'on est sur un dragon SM. Qui a quand même des lettres de sécurité. On a bien sûr la princesse Kate, très jolie petite couronne, bonjour. Bonjour. On a un autre Benjamin qui incarnera Donkey Kong, c'est vraiment mon costume préféré. Très très stylé, élégant. C'est l'élégance. Maître mot, élégance. Mon frère de toujours, Luigi. Coucou. C'est-à-dire que ton déguisement te va mieux qu'à Luigi. Et c'est ce que je mets toutes les semaines. Et Fred qui incarnera bien sûr Yoshi. À noter, hein, cette queue et cette carapace. Très beau, et on a bien sûr Todd au cadre. On va faire des parties de 3 minutes. On aura chacun son carte. Il y a des bonus qui permettent d'éclater les ballons, des fléchettes, des fourchettes, des crayons. On a des pots de banane. Alors si vous êtes touché par un pot de banane, ça peut pas éclater le ballon, mais c'est considéré comme un ballon éclaté, donc vous éclatez un propre ballon. Il y a quelques malus en plus. Donc par exemple, il y a des lunettes d'alcoolémie qui vont simuler 3 grammes d'alcool. Je peux les avoir tout le jeu. On a un timer de 20 secondes. Toi, on a compris ton malus, c'est ta moustache. Si vous tombez sur... Si vous tombez dessus, vous devez reculer pendant 20 secondes. Et après, il y a la super box, la super boîte, la super surprise. Vous avez un éclair. On n'a pas trouvé d'éclair, on a pris un éclair au chocolat. Donc celui qui tire l'éclair dit aux autres éclair. Les autres sont obligés de reculer pendant 20 secondes. Et l'autre a 3 munitions pour essayer de tuer ceux qui vont en arrière. Il y a aussi l'étoile. L'étoile, celui qui l'a, doit chanter la chanson. On rappelle la chanson. Il doit chanter 20 secondes et il est intouchable. Donc s'il chante, on peut pas le toucher. Tant pis. Si vous avez une surprise, vous pouvez pas avoir 2 cadeaux dans les mains. Ça va, les gars ? Vous ne pouvez pas refuser le... On dirait un mec dans l'armée. Vous ne pouvez pas refuser le contenu d'une surprise. Est-ce que c'est clair ? Tu fais super bien, Bowser. Dernier point, les munitions qui sont, qui sont par terre ne sont pas utilisables. Exactement. On essaie vraiment de respecter les règles. La partie va durer 3 minutes. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Pas trop, pas. Pas le bon personnage. Hop là! Alors j'ai quoi comme surprise? Oh les fléchettes! J'ai l'étoile! Ah, j'ai pas été le courant! Mais Aïka! Ah attends, la fléchette! Oh non! Oh non! J'ai raté la banane! Je sais pas du tout tourner en fait! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh une flèche! Ah non! Ah non! Non! Oui! Oui! J'espère que tu l'as, celle-là! Oh putain! Non! J'ai mon étoile, t'as pas le droit! Il a une étoile! Je descends! J'ai pas du tout tourné, j'ai pas appris avant. L'éclair, l'éclair, l'éclair. Tout le monde va en arrière, il a l'éclair. Oui. Allez, ciao, on est en Écosse. Ouais. Ils m'ont crevé tous mes ballons. Non. 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 Il y a une peau de banane. Timer, qu'est-ce que c'est? Je dois aller à l'arrière. Des bananes, mais c'est bon là. On n'a pas faim nous. Ils ont une surprise. Mais trop bien. Plus de ballons. C'est terminé pour moi. Moi je suis à ma petite recherche, je suis pas un vandale moi. Je suis pas le mec qui a fait du mal. Je suis le mec qui tue, y a pas d'armes, mais... Non, bâtard! Oui! Oh non! Ah, mais c'est pas arrivé!
la prochaine. Partie terminée. Partie terminée. Ok messieurs dames, petit doigt pour faire un point sur les scores. La princesse Yoshi et Donkey sont à 2 ballons. Luigi conserve 1 ballon. Et malheureusement pour les 2 rivaux, Mario et Bowser, ils ne conservent aucun ballon. Partie suivante à présent. Alors pause technique, vous êtes prêts? Bam, 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 bam. Excuse-moi, Benjamin, t'arrêtes de faire le singe? Pourquoi? Cette vanne est excellente. Chacun se met dans un coin, on va démarrer dans 2 minutes. On reste sur le même circuit, on analyse. On fait sa stratégie, on repasse les virages dans sa tête, on étudie les courbes. Alors là, on est sur Bowser, on est sur une belle pièce, on est vraiment sur un jack avec les jantes alus. Là, on est en poignée d'acajou, je pense que tout est ok. Si vous regardez bien à l'arrière, j'ai un pot ninja, je vous prends au tuning quand vous voulez. Tu m'attraperas jamais demain. Mais prends un raccourci, ne connais pas. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une sombre merde. Qui a fait ça? J'avais dit de faire gaffe aux boîtes. Ah, all right. Ah, il a dit prêt. Mettez-vous en place, c'est bon. Vas-y, attends, on est en place. 3, 2, 1, go. Woohoo. Oh, banane. Oh non, non. J'ai des lunettes. Ah, tu l'entends le verbal? Ah, je vois rien. Oh, une clochette. Non, non. Non. Tellement facile pour aller prendre un petit ballon. Aïe. Voilà, bah j'espère que vous allez bien. Moi, je me balade un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien du tout. Oui. Trois fléchettes. Non. Il a 3 fléchettes. Oui. Il est plus rapide. Putain, il a rien. Non. Avance, avance, Pierre. Avance. Cross. Oui. Wouhou. Eric. Ça explose! C'est un grand chelem! J'ai un éclair! Tout le monde en arrière! Éclair! 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 Oh, arrête! Ouais, mais là! Bonsoir! Non, arrête! Non, qu'est-ce que... Y'a plus rien là! Oh putain, y'en a un derrière! Tiens, tu veux faire le malin? Ah. Prends ça! Ah, elle s'est pris une banane! Oh. Non, non. Excusez-moi, je cherche le Carrefour Market, je suis un petit peu perdu. Oh l'accident. C'est fini. Bonne partie. J'ai mes 3 ballons. Ciao. Oh pardon. Mais ça, ça s'interdit monsieur. Sur cette partie, c'est Donkey et Yoshi qui caracolent en première position avec 3 ballons. Les 2 rivaux Bowser et Mario toujours à égalité avec 2 ballons conservés. Luigi un seul ballon et malheureusement la princesse perd tous ses ballons, la pauvre. Ce qui fait donc pour l'instant que Yoshi et Donkey sont en première position avec 5 ballons chacun et tout le reste des adversaires sont à égalité avec 2 ballons chacun. Il peut donc se passer encore beaucoup de choses sur cette dernière partie. Pendant qu'on prépare la prochaine partie, je vais faire un petit tour dans l'usine. Salut Todd! Ça va? Prépare pas du tout. Fais un petit tour dans l'usine parce qu'il y a quand même 550 personnes qui travaillent dans cette usine. On va aller voir, on va leur dire bonjour. En fait ici on est à la partie stock, donc c'est l'entrepôt où ils stockent tous les verres avant de les envoyer aux différentes boutiques. Mais il y a aussi toute la production du verre qui est ici, on va aller voir ça. Bonjour. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont surpris de voir un Mario ici. Un petit mot sur tous les verres qui sont produits ici. Alors, tous les verres qui sont produits ici sont labellisés Origine France, donc fabriqués ici sur le site et finalisés sur le site. Je sais pas si c'est une bonne vidéo ou un mauvais enterrement de vie de garçon. Oui. T'as 31 ans. N'oublie pas que t'as 31 ans. Donc là, on est dans une salle qui est purifiée. Qu'est-ce qu'on fait ici, Christophe? Le traitement anti-reflet. Alors, comment ça se traite un verre pour qu'il soit anti-reflet? Bah, on le monte sur des secteurs comme ça. Ok. Une fois sans machine, c'est la machine qui fait tout. C'est la machine qui fait tout? Presque tout. Toi, tu vas à la cantine, c'est tout. Ça va lui donner à manger, puis après, tu restes. Bah, merci beaucoup. Faut qu'on retourne au chantier, nous. Ah, bah oui, il y a une belle fuite là chez Madame Morera. Ouais. J'ai expliqué les règles de cette partie. On a tous une fourchette dans les mains? Yes. On va pouvoir s'attaquer juste à la fourchette. On attaque les autres. Si on attaque une fois, on doit lui laisser 10 secondes de pause. Et si on est très très fort en karaté et qu'on peut couper tout avec nos mains? Moi je vais sur les bananes. Je glisse sur toutes les bananes. Je propose qu'on puisse aller sur tout l'étage. Moi, je vais essayer de me faire vomir avant le début. C'est parti. Wouhou. Ok, j'arrive. J'arrive à 200. Oh putain. J'en ai un. T'es, j'arrive. Non, dégage. Non, dégage. J'ai eu
Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Terminé. Non. J'ai la guerre. Là j'arrive sur Mario. Coucou. Mon ennemi. Lâche-moi. Tu as encore immortel, je suis mort. Fast and Furious. Non. Non. Personne n'aura les ballons. Fin de partie. Non, Ben a tous ses ballons, il faut péter. Ben il a zéro ballon. Non. Oh, oh la violence. Il y avait de la haine dedans. Je suis passé en force. Sur ce dernier tableau, c'est donc Bowser qui s'impose avec 3 ballons conservés. Bravo à lui. Sont ensuite à égalité Yoshi, Donkey et la princesse. Et malheureusement, les deux frères plombiers perdent tous leurs ballons. Au final, c'est donc Yoshi et Donkey qui l'emportent avec 6 points chacun. On peut les applaudir de chez vous. C'est ridicule cette voix. Bowser sur la dernière marche du podium avec 5 ballons conservés. La princesse s'en sort très bien avec finalement 3 ballons conservés au total. Et les deux frères plombiers, malheureusement, finissent en dernière position. Ça vous a plu? Pourquoi? Ouais, des ballons encore en dernière. Parce que c'est la meilleure journée de ma vie, je mange un éclair, j'ai des ballons, je suis content. Toi, je te le laisse, il te va tellement bien. Il pourra pas aller mieux à quelqu'un d'autre. Je fais toutes mes réunions avec ce costume. Moi, j'ai une demande à faire, Pierre. On a fait Mario Kart. Est-ce qu'on peut louer le Camp Nou et faire un FIFA 19? On ferait pas un jour un Mario Party maintenant qu'on a les déguisements avec des mini baskets et des jeux? Oui, c'est ça. Hein? Merci à Chris de nous avoir invités encore une fois. Merci Chris. Merci Chris. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit disclaimer parce que pendant le montage de cette vidéo, on a appris que nos amis McFly et Carlito étaient en train de préparer aussi une vidéo sur l'univers de Mario Kart. Donc s'il vous plaît ne criez pas au plagiat quand ils sortiront leur vidéo puisque c'est un hasard total. Des petits bisous.